Bonjour à tous, ici Fika de la chaîne Afika. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et cette vidéo va porter sur mon Helio Bruta. C'est un Helio que j'utilise principalement dans le donjon Pandala et le donjon Vandaliné. Donc cet Helio, il va me servir à clean rapidement les mobs en zone mêlée et aller très très vite dans le donjon pour faire de très beaux scores. Donc pour cet Helio, je vais déjà commencer par les aptitudes. Pour les aptitudes, j'ai mis 30 en points de vie, 10 en résistance et 10 en points de vie en armure. Les 10 de points de vie en armure vont me permettre de pouvoir avoir un certain pool de points de vie dès le début de combat et tout en étant en berserk en fait. Vu que la berserk c'est que sur le point de vie, il faut être en dessous de 50% de points de vie. Je vais pouvoir être en 50% de points de vie et avoir environ 10 000 de pool de vie en fait. Genre 5 000 d'armure et 5 000 de points de vie brut. En force, j'ai mis 10 de maîtrise élémentaire, 20 de maîtrise zone et 20 de maîtrise mêlée. Comme je l'ai dit, c'est un Helio Bruta, du coup, qui dit Bruta dit mêlée zone en fait. Donc, il faut maximiser la maîtrise mêlée zone. En agilité, je n'ai rien mis parce que je vous laisse le choix en fait. Et moi aussi, je me laisse le choix parce que genre en combat, je vais adapter en fonction de ce dont j'ai besoin. Si j'ai besoin d'initiative, je vais mettre de l'initiative. Si j'ai besoin d'esquive, je vais mettre de l'esquive. Si j'ai besoin d'une tag, je vais mettre de tag. Ici, t'as pas forcément besoin d'avoir des trucs précis pour cet Helio. En chance, j'ai mis 20 de coups critiques et 29 de berserk. Les 20 coups critiques vont me permettre de pouvoir atteindre facilement 98 de crit durant mon combat. Enfin, dès le T1 d'ailleurs, grâce à quelques petits trucs que je vais vous expliquer plus tard. Et les 29 de maîtrise berserk vont me permettre d'augmenter ma maîtrise berserk et de taper très très fort en berserk. En major, j'ai pris un PA, un de contrôle, un de dommage infligé et un de résistance. Donc, pourquoi j'ai choisi le contrôle au lieu de prendre le PM par exemple? Donc, j'ai pris le contrôle parce que je veux avoir les 3 de contrôle pour pouvoir placer des portails. Mais ça dépendra du combat. Il y a des combats où j'ai pas besoin de contrôle et du coup je mets le PM pour pouvoir être plus à l'aise et me déplacer tranquillement. Mais sinon la majorité du temps je mets que le contrôle. En sort pour cet Helio, j'ai pris les sorts qui sont présentés ici. Mais les sorts sur lesquels je vais me pencher, ce sera barrière, tempête, cataclysme et earth. Donc barrière ça va être mon sort qui va faire le plus de dégâts en un coup en fait. Parce que genre, si tu barrière déjà, pouvoir l'utiliser, il faut le prévoir en avance. Genre tu vas le placer sur une certaine zone et sur la zone où tu vas le placer, tu vas faire des dégâts sur toute cette zone le tour d'après. C'est un sort qui est très 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 puissant pour l'Helio. Il a un très très gros burst, je pense. Ça doit être l'un des sorts qui a le meilleur ratio en fait en dégâts par PA. Le sort tempête, ça va être un sort de DPT de manière continue. Genre, imaginons par exemple si je veux taper T1, je vais utiliser tempête. Ou alors si je veux taper T2, je vais utiliser tempête aussi. Ça va être notre sort de dégâts direct en fait, parce que c'est le sort qui a le plus... Enfin, il a la même zone que barrière, du coup on va le spam tranquillement si on veut faire des zones coco en fait. Ensuite, le cataclysme. Cataclysme, on l'utilise un peu comme barrière. Sauf que cataclysme, tu vas pas le placer sur une zone, tu vas le placer sur l'Helio lui-même. Tu peux le lancer 2 fois sur l'Helio, ce qui est vraiment intéressant. Ça va te permettre de genre prévoir ton tour de burst. En gros, c'est simple. Tu lances 2 cataclysmes sur toi et le tour d'après, ça fait des dégâts en zone coco autour de l'Helio. Et c'est très bien couplé avec barrière parce que tu vas barrière quand tu vas le placer, tu vas te TP sur une certaine zone et cataclysme va proc et barrière va proc, ce qui va te permettre de faire de gros dégâts sans avoir utilisé de PA en fait au début de ton tour de jeu. Et Earth, ça va être notre sort de burst secondaire juste après Tempête. En gros, Earth, tu vas l'utiliser que si tu as une petite zone ou alors qu'il te reste que le boss, par exemple, parce qu'il a un meilleur ratio que Tempête, mais sa zone est beaucoup plus basse, enfin, beaucoup plus petite que celle de Tempête. Donc, au niveau des actifs, on a pris Cataclysme. Cataclysme, ça va nous permettre de boost le séisme de Cataclysme, tout simplement. Ça va nous permettre de mettre plus de séisme que prévu. Carnage, ça va nous donner 15 de dégâts finaux pour pouvoir taper plus fort, tout simplement. Effervescence, qui va nous permettre d'utiliser le sort Exaltation pour 0 PA. Genre, il réduit le coût du sort de 1 PA, et vu que le sort coûte déjà 1 PA, on va juste le lancer pour 0 PA. Rage, ça va nous permettre de gagner 240 de maîtrise Berserk, et d'avoir aussi... attendez, comment on le fait? Bon, on peut pas le voir sur le builder, mais anyway, ça va nous permettre d'avoir 1 PA et 1 PM... quand on est en berserk, et c'est vraiment fort comme passif, parce que ça donne 240 de maîtrise, et ça donne des PA et des PM gratuits en fait, c'est énorme. Inspiration, on a mis inspiration parce que ça donne 10 de dégâts finaux, et vu que les autres passifs de l'Helio, il n'y en a pas des vraiment intéressants pour l'Helio Bruta, on va juste prendre inspiration. Ça nous permet d'avoir 10% de dégâts infligés sur les mobs qui ont plus d'initiative que l'Helio Trop.
Donc, imaginons, tu commences un combat avec un mob plus unique que toi, tu vas juste taper 10% de points de vie, enfin 10% de dégâts sur lui, en fait, tout simplement, ça va pas... Voilà, c'est juste des dégâts finaux gratuits. Et en dernier passif, je n'ai rien mis parce que c'est comme vous le voulez, en fait. Moi, par exemple, parfois, j'utilise le transitoire pour les tours où je vais pas taper avec les lios, par exemple, et que je veux pouvoir boost un allié. Vu que transitoire, ça me permet de faire quoi? Donc, transitoire, ça me permet de donner 2 PA à un allié et de lui permettre de gagner des points de vie et des crits quand il passe à travers un portail. Donc, imaginons, par exemple, tu as un Yop dans ta team et que tu n'as pas besoin de préparer un tour de burst avec les lios. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas poser un portail entre toi et ton Yop. Et tu vas échanger de place avec le Yop et ça va donner 2 PA au Yop tout simplement. Et ça, c'est assez bon comme passif. Mais je le mets pas tout le temps parce qu'il il donne des points de vie quand tu passes à travers le portail. Et vu que je joue mon Yop et mon Elio en Berserk, si je gagne des points de vie alors que je suis déjà... enfin, et que je repasse au-dessus des 50% de points de vie, ça va vraiment être néfaste pour moi. Je vais perdre énormément de dégâts. Donc, je l'utilise pas tout le temps, mais pour certains combats, si je l'utilise. Et sinon, en termes de passif, je vous laisse. Vous avez vraiment le choix. Hein. C'est comme vous le souhaitez. Il n'y a que transitoire que je mets de temps en temps. Et sinon, si je ne mets pas transitoire, peut-être que je mets dissipe des éléments. Mais je sais même pas si ça proc parfois. Mais bon, voilà. Donc, pour les sublimations, enfin, pour l'enchantement. Donc, pour l'enchantement, c'est simple. J'ai pris 3 embuscades 2, 3 critiques berserk et... 2 ravages et pour terminer 2 retours. Donc j'ai pris les embuscades 2 parce que ça me permet de faire 10% de dégâts en plus par embuscade 2 sur un mob qui a 2 PO de mon héliotrope. Et ça me donne juste 30% de dégâts finaux si je me place correctement sur un mob en fait. Et ça c'est vraiment intéressant. En critique berserk ça me permet d'avoir 10 de crit quand je suis à 50% de points de vie ou moins. Donc c'est extrêmement fort sur l'Helio parce qu'il sera toujours en dessous de 50% de points de vie. Du coup il va toujours bénéficier de ces crédits berserk là. Donc il va être tout le temps avec les 10% de coups critiques en plus. Et vu que j'en ai 3, ça va juste me donner 30% de coups critiques en plus. Ce qui va me permettre d'avoir ici, au lieu d'avoir 68 de crit, je vais avoir 90 de crit en combat. Ce qui est vraiment intéressant. Et Ravage, vous le connaissez maintenant, je pense, ça donne juste 10 de maîtrise dans chaque élément et de résistance dans chaque élément. Retour, je l'ai mis sur l'Helio parce que ça me donne 1 PA quand je tue un ennemi. Du coup, j'en ai mis 2, donc à chaque fois que je tue un ennemi, je gagne 2 PA. C'est extrêmement fort sur cet Helio parce que cet Helio, il va principalement, la plupart du temps, taper sur plusieurs mobs et les tuer en fait. Et genre, quand il va tuer ses mobs, s'il va gagner 2 PA par mob, tu sais, ce qui va lui permettre de lancer encore plus de sorts, il les tue encore plus de mobs et de gagner encore plus de PA, ce qui est extrêmement puissant. Et je pense c'était tout pour toutes les sublimes, donc on avait... des ravages, des cicatrisations, enfin pas des cicatrisations, qu'est-ce que je raconte, des critiques berserk, des embuscades 2 et des ravages, voilà. Donc pour cet Helio, j'ai plusieurs combos. Donc le premier combo que j'utilise, c'est la plupart du temps quand je veux terminer le combat dès le T2. Du coup au tour 1, ce que l'Helio va faire, c'est qu'il va placer une barrière dans une certaine zone, il va faire 2 cataclysmes sur lui, puis je vais passer en exalté. Le tour d'après, l'Helio va juste se faire téléporter dans la zone de la barrière et il va faire ses dégâts là. Il va faire de gros dégâts et ce que je vais faire, c'est que je vais me désexalter pour faire tempête x3. En gros, ça c'est le tour où je veux faire une grosse zone en fait, une zone avec genre 4 ou 5 ou 6 mobs, c'est ce que je vais faire. Mais il y a des tours où je ne veux pas forcément faire 5-6 mobs, peut-être ce sera un mob. S'il y a qu'un seul mob par exemple, au lieu de faire des tempêtes, je vais juste faire je vais rester en exalté déjà et je vais faire que des hurts sur le seul mob qui sera dans la zone par exemple, comme ceci, parce que hurt il a un meilleur ratio. Donc voilà. Et pour le deuxième combo, c'est simple hein. J'ai juste en fait à choisir la zone que je veux faire, soit si je veux faire une zone tempête, une zone croix, ou si je veux faire une zone hurt, une zone croix aussi. Bah en fait j'ai mytho parce que genre il y a plusieurs zones. Tu as la zone tempête normale que tu peux utiliser, par exemple si c'est une zone coco que tu veux faire, tu le lances simplement, t'as pas besoin de tour de préparation, tu le lances simplement, tu spam. Ou si c'est une zone hurt, tu lances hurt tout simplement.
Du coup les gars, c'était tout ce que je voulais vous montrer pour ce Lelio Bruta. Donc je vais vous laisser sur une compile de tours de Lelio. Donc n'hésitez pas à passer sur mes lives si vous voulez voir d'autres gameplay de d'autres classes. J'utilise plein de classes différentes. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.